Bonjour, chers élèves. Prophase, métaphase, anaphase, téléphase. Vous avez déjà entendu ces termes-là. Ce sont les étapes de la mitose. Interphase, c'est quoi? La réponse est simple. L'interphase, c'est la première étape du cycle cellulaire. C'est l'étape du repos qui sépare deux mitoses successives. Je peux dire, c'est le moment où la cellule, elle expérimente ses fonctions cellulaires de maintien selon les instructions issues de ses gènes. Pendant l'interphase, qu'est-ce qu'il fait la cellule? Elle croît. C'est une étape de croissance pendant laquelle la cellule il fabrique tout ce qu'il a besoin de nouvelles molécules qui font augmenter son volume et sa masse. Et les chromosomes? Ah oui, les chromosomes, ils ne sont pas individualisés pendant l'interphase. Le matériel génétique, il se forme de chromatine. Regardez avec moi, mes chers élèves, le schéma que j'ai dessiné pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un noyau. Eh bien, si vous regardez très bien, le matériel génétique pendant l'interphase se présente sous forme d'un matériel relativement granuleux, dense. C'est quoi? C'est la chromatine. C'est l'ADN décondensé. C'est l'ADN déroulé. L'interphase, elle est subdivisée en trois étapes. La phase G1, où la cellule croît, elle effectue ses fonctions pour lesquelles elle est programmée. La phase S, c'est une phase de synthèse des molécules, c'est-à-dire il y aura une réplication d'ADN, une duplication des chromosomes, et la phase G2, où certains organites cellulaires tels que les mitochondries, tels que les chloroplastes, vont se multiplier. On va essayer d'expliquer la notion de cycle cellulaire. Tout le monde pose la question, qu'est-ce qu'un cycle cellulaire? Comme vous voyez, je peux le définir en utilisant plusieurs définitions. Je peux dire que le cycle cellulaire, c'est quoi? C'est l'ensemble des étapes qui constituent et délimitent la vie d'une cellule. Elle est composée de plusieurs phases. Lorsque je dis plusieurs phases, ça veut dire plusieurs étapes de croissance, c'est-à-dire dans laquelle la cellule va croître, dans lesquelles la cellule va croître, va grossir et va dupliquer son matériel génétique. Lorsque je parle de duplication de matériel génétique, c'est-à-dire de réplication de son ADN, on verra ça ultérieurement, et d'une phase ou celle où la cellule se divise pour donner naissance à deux cellules filles identiques. Ça va vous rappeler la notion de mitose qu'on a déjà vue. Un cycle cellulaire, je peux le définir aussi, c'est comme un ensemble des phases que connaît une cellule entre deux divisions cellulaires. C'est aussi l'ensemble des modifications qui affectent la cellule de sa formation à l'obtention de deux cellules filles. Et bref, comme une petite définition qui est très facile à retenir, un cycle cellulaire, c'est l'interphase plus la mitose. Passons maintenant à la deuxième étape de l'interphase, qui est la phase S. S, ça veut dire synthèse. Qu'est-ce qui se passe pendant cette phase-là? Eh bien, la quantité d'ADN sera doublée, sera dupliquée par le phénomène de la réplication qu'on va étudier ultérieurement. Les chromosomes se dupliquent et chaque chromosome sera composé de deux chromatides. Lorsque je dis deux chromatides, c'est-à-dire deux molécules d'ADN. Ces deux chromatides sont attachés par un centromère. Finissons les étapes de l'interphase par la phase G2, qui est une phase de croissance cellulaire. Et qu'est-ce qu'on aura? Les chromosomes sont doubles, le centrosome se réplique, et c'est une phase de préparation cellulaire à ce que la cellule entame sa division cellulaire, qui est la mitose. Aujourd'hui, je vous ai dessiné un petit dessin concernant le cycle cellulaire qu'on a déjà défini dans la dernière vidéo. Si vous regardez très bien, voilà le cycle cellulaire. Il est composé de quoi? Il est composé de l'interphase que j'ai dessinée en rose. Vous le savez déjà que l'interphase, ça constitue une très grande partie du cycle cellulaire, plus la mitose que j'ai mis là en orange. L'interphase, vous le savez déjà, elle est subdivisée en trois étapes. C'est la phase G1 en bleu ciel, c'est la phase de croissance et de préparation à la duplication, suivie de la phase S qui est la phase de duplication de l'ADN, puis la phase G2, c'est une phase de croissance et de préparation à la mitose, c'est-à-dire la division cellulaire. Bonjour chers élèves, la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à faire l'analyse de la courbe suivante, qui représente la variation de la quantité d'ADN par cellule en fonction
du temps. Comme vous le savez déjà, chers élèves, quand on exploite un document, il y a toujours trois phases. Une phase de représentation, c'est déjà fait, je viens de la faire. Une phase d'observation, je décris ce que je vois. Et enfin, une phase d'interprétation, j'explique les phénomènes observés à l'aide de mes connaissances. Passons maintenant, chers élèves, à la phase d'observation. Qu'est-ce que nous remarquons? Eh bien, on remarque que pendant la phase G1, la quantité d'ADN par cellule, elle est stable, elle est constante, elle est égale à Q. Concernant les chromosomes représentés, si vous regardez le schéma, j'en ai, chaque chromosome, elle est formée d'une seule chromatide. C'est-à-dire, ils ne sont pas encore doublés, ils ne sont pas encore fissurés. J'en ai une paire de chromosomes simples à une molécule d'ADN chacun. Lorsque je passe à la phase S, qu'est-ce que je vois? Il y a une augmentation de la quantité d'ADN. On passe de Q à 2Q. Durant la phase G2, la quantité d'ADN, elle est égale à 2Q. C'est-à-dire que pendant la phase S, il va y avoir une duplication, une réplication de l'ADN. Concernant les chromosomes observés, qu'est-ce qu'on observe? Les chromosomes qui n'ont pas été fissurés deviennent fissurés. Et chaque chromosome devient formé par deux chromatides soudés entre eux par un centromère, si vous regardez le schéma. C'est-à-dire, nous avons deux chromosomes avec quatre chromatides. C'est-à-dire, une paire de chromosomes doubles à deux molécules d'ADN. Pendant la phase mitose, il y avait une division cellulaire. Qu'est-ce qu'on observe? Une diminution de la quantité. On passe de 2Q à Q. Essayons maintenant d'expliquer ce qui se passe. Eh bien, pendant la phase G1, les chromosomes sont monochromatidiens. On a un seul chromosome avec son centromère. Lorsque je passe à la phase S, il y a une duplication, il y a une réplication. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens des chromosomes qui sont formés par deux chromatides. On parle de chromosomes bichromatidiens. Pendant la mitose, la quantité d'ADN a été divisée par deux. On passe de 2Q à Q. C'est-à-dire, pendant l'anaphase, il y avait à voir une fissuration, une cassure du centromère et on aura une séparation des deux chromatides. On va aboutir à la formation de quatre chromosomes, si vous regardez, quatre chromosomes fils qui seront partagés entre les deux cellules filles parce que chaque cellule fille va hériter d'un chromosome monochromatidien.